Bonjour et bienvenue à Serrano. Nous sommes heureux d'accueillir Azur TV dans notre village et nous allons vous faire visiter les quelques lieux historiques que nous possédons. Alors donc Serrano est situé au nord de Grasse, à 40 km au nord de Grasse, et nous sommes limitrophes avec les départements du Var et du 04. La commune a une superficie de 2254 hectares. Alors actuellement nous sommes 498, le recensement est en cours et bon, nous pensons que nous allons dépasser les 500 habitants au prochain recensement qui nous sera donné, je pense, dans le courant du deuxième semestre 2018. Alors donc maintenant nous allons partir à la découverte du village et je vous invite à me suivre. Donc Serrano était une commune qui était au départ à vocation agricole. Au fil des années, bien sûr, comme dans beaucoup de communes, la diversification est arrivée. Et aujourd'hui, nous comptons quelques bergers sur la commune. Et ensuite, un monsieur déjà d'un certain âge qui a encore quelques vaches et que je vous propose que nous allions rencontrer dans un moment. Bien, nous nous trouvons actuellement sur la place Joseph Rébuffel, ancien maire de Serrano dans les années 1900. Et sur votre droite, vous pouvez apercevoir l'ancienne gendarmerie qui a fonctionné durant plusieurs décennies et qui a été transférée dans des bâtiments modernes à l'ouest du village en 1974. Alors la 4 chevaux est une œuvre de notre employé communal, M. Larocque, qui a fait ça il y a une dizaine d'années. Donc cette 4 chevaux apparemment montre un accident à la sortie du village. Celle-ci est magnifiquement fleurie tous les étés par notre employé. Et elle a fait l'objet déjà de, je dirais peut-être, de milliers de gens qui sont venus la photographier. Bon, nous nous trouvons actuellement devant la ferme de Brondé, un lieu historique de la commune. Cette bâtisse appartenait à M. de Gourdon, maire royaliste de Grasse, et qui avait donné son accord pour que Napoléon bivouaque ici lors de son retour de l'île d'Elbe. Bon, cette magnifique propriété est aujourd'hui dans un état irrestaurable. Il y a une vingtaine d'années, ça aurait pu l'être. Bon, les gens qui sont propriétaires de cette bâtisse ne s'y sont jamais intéressés. Donc aujourd'hui, on aimerait bien essayer de conserver le peu de pierre qui reste, parce que c'est quand même une mémoire de la commune. Donc cette ferme était alimentée par une source, propriété de la Bastide. Donc ici, vous pouvez apercevoir un magnifique, on va dire, petit lavoir avec une réserve à côté. Et ensuite, sous la voûte, un grand bassin qui permettait d'arroser, parce que la partie que vous voyez sur votre droite, là, était les jardins. Donc ça permettait de faire la culture des légumes. Vous gardez-la à l'année, monsieur? Je suis dans le canton, ouais, à l'année, ouais. Je vais de Val-de-Roure, Caille, la plaine des Baux, Escragnol, Mons. Voilà, c'est tout attenant. Puis après, on a la montagne sur le Diberg l'été. Vous gardez combien de bêtes en tout? Ça dépend du troupeau. Là, c'est les brebis qu'ils ont fait, les agneaux. Il y a à peu près 500 têtes, à peu près. Voilà. Après, ça varie. Au printemps, j'ai un autre troupeau qui fait à peu près 700 têtes. Avec les chèvres et les béliers, tout ça dessus. Un métier extraordinaire, ouais. C'est vrai, ça se perd, c'est dommage. Plus trop de jeunes. Les gens préfèrent acheter des agneaux que faire leurs agneaux, eux. Après, moi, mon patron travaille de cette façon-là et c'est ce que je préfère. Voilà. Faire naître mes agneaux, les faire grandir, les faire manger. Voilà. Je suis né à Grasse, je suis du pays, originaire de Courcegoule. Voilà. Donc sur votre gauche, vous pouvez apercevoir le hameau de Curnier. Derrière nous, la Grange de Verdet.
et tout au fond, la queue de caille. Alors Raymond, ça va mieux, ouais. Ça va? On peut aller, ouais. Vous avez eu la grippe? Hein? Vous avez eu la grippe? Bah, oh là là, ça sortait pas. Ah, si t'as toujours vécu ici? Je suis toujours dans la chambre où je suis né. Alors, il ne doit pas qu'il n'y ait rien à voir, hein? Il y a 84 ans. Les seules marches de Céradon. Bon, il faut être fou, vraiment. Allez, encore, on prend deux vaches. Je les ai changées là, il y a deux mois. Ah ouais? Ah, les autres étaient vieilles, étaient. Et il s'est porté les vieilles, il m'a rapporté les deux autres le soir. Avant, combien t'en avais de vaches en tout? Oh, on en a eu jusqu'à 24. Mais maintenant, c'est un peu trop pour nous, ouais. Ça me fait passer le temps. Vous faites du fromage, monsieur? Ben oui. Ça, il faut aller voir un peu la patronne. Allez, puis on va boire un coup, hein? Ouais. Bonjour, bonjour. C'est la télévision. On vous passe devant, alors, ouais. Est-ce que tu as même arrivé? Ah, pardon, t'as le moyen de me sortir. Ça va mieux? Oui. Mais ça a été long, oui. Il faut qu'il digue tout, oui. Tu as besoin de la région, tu fais du fromage. Eh bien, pour vendre. Le matin, je prends un trait de vache, on monte le bidon, voilà, celui-là plein de la moitié de lait. Je caille. À 9h, je casse mon cahier. À 11h, je le moule, comme je viens de faire. Et tous les jours, ça diminue un peu. 3 ou 4 jours après, je sale et j'attends qu'il sèche. Je tourne sur une semaine, un peu affiné de 8 ou 10 jours. Et après, vous en avez qui prennent le frais, alors, comme ça, même la faisselle faite du matin, qui mange ça avec du sucre ou du miel, miel liquide. Chacun fait à son goût, ouais. Oui, ça fait 60 ans qu'on est mariés. Et on a toujours travaillé ici. Donc nous nous situons actuellement dans la chapelle de Grottemoine. Cette chapelle est atypique, elle est sur un mamelon dénudé de toute végétation. Elle a fait l'objet de nombreuses recherches. Une des recherches les mieux, on va dire, ont été faites par M. Jean-Claude Potter, dont un ouvrage a été édité. Donc chaque année, il y a la messe pour la fête patronale de Notre-Dame qui s'y est célébrée ici. Et ensuite, elle est beaucoup demandée pour des mariages, des baptêmes. Cette année, nous allons entreprendre des travaux de restauration de la toiture parce que là, on voit qu'il y a des infiltrations, un réaménagement de la voûte, tout ça grâce aux subventions que nous avons pu obtenir, en particulier celle de notre sénateur, M. Jean-Pierre Leleu, au titre de sa dotation parlementaire qui aujourd'hui n'existe plus, et la deuxième grâce à une aide de la région. Ben, on fait le pain dans des fours à bois, chauffé au bois, et puis on essaye de faire le mieux et de garder, préserver la tradition et le savoir qui est ancestral en matière de boulangerie et de fabrication. Voilà, actuellement nous nous trouvons dans le hameau de Villotte, donc qui fait partie de la commune de Céranon, mais qui est le lieu où l'on peut trouver pas mal de choses. Donc la boulangerie que l'on vient de visiter, restaurant, tabac. Donc c'est la partie attractive de la commune, quoi, où les gens peuvent trouver tous les produits nécessaires de dépannage. Ces belles bâtisses, à l'origine, c'était des fermes, plus ou moins, voilà, qui sont aujourd'hui transformées en appartements. Et donc ce qui permet à des gens de la population du Céranon ou des actifs qui ont des travaille sur la côte, de maintenir une vie dans nos villages. Bien, donc ici nous nous situons au quartier des Baux, un nouveau
hameau de Serranon que je vous présente, donc avec son ancienne ferme atypique, donc qui fonctionnait il y a encore une cinquantaine d'années. Il y avait donc des vaches, des comme ce que l'on vient de voir chez monsieur Rébuffel, mais donc aujourd'hui ce sont plus que des habitations. Bon, c'est bien parce que ben, ça fait vivre, il y a du monde, quoi. Puis donc vous voyez qu'il y a des constructions récentes qui ont été faites. Bien, voilà, nous nous trouvons à la Doire. Donc comme vous avez pu le constater, on pourrait croire que c'est un petit village. Eh bien non, ça fait partie de la commune de Serranon. C'est un hameau, donc avec son église, la crèche de la commune. Seulement sur la place, des travaux de mise en sécurité ont été programmés, sont en cours, pour sécuriser pour les personnes, les enfants, etc. Et comme de partout, vous avez derrière vous un magnifique panorama sur la montagne du Théon. Donc c'est quand même un lieu avec des vues magnifiques. Voilà, donc là nous nous trouvons dans la plaine de Serranon, qui était une plaine agricole à l'époque. Et en face de nous, vous pouvez apercevoir les ruines du vieux château et tous les petits morceaux de pans de mur qui concernaient l'ancien village de Serranon, où les derniers habitants sont partis dans les années 1900. Et donc en face de vous, vous pouvez apercevoir la petite chapelle qu'on appelle la chapelle Sainte-Brigitte, qui faisait partie donc de l'ensemble, qui a été restaurée au niveau extérieur, toiture, pour la conserver dans un bon état. En conclusion, je tiens à remercier Azur TV pour ce reportage sur notre belle commune de Serranon. Et puis je dirais aux gens qui vont regarder cette belle émission qu'on serait heureux de les accueillir. On a des gîtes, des restaurants, boulangerie, une boucherie au village voisin. Et donc, bienvenue à tous les amoureux de la nature qui veulent venir visiter ce beau village.